La Révolution française, des droits de l'homme à la fuite de Varennes. Suite à la prise de la Bastille et de la grande peur dans les campagnes françaises, l'égalité devant l'impôt et la suppression des droits féodaux a été décidée par les députés de l'Assemblée. Une nouvelle société se construit, fondée sur la liberté, l'égalité et la souveraineté de la nation, ce qui signifie que le pouvoir revient à la nation, à ses citoyens et sûrement pas seulement à un roi. Qu'est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? C'est le document par lequel les principes qui doivent fonder une société nouvelle sont établis. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale adopte un texte qui définit la nouvelle organisation de la France. Le document établit l'égalité des droits, le respect des libertés, par exemple celle d'expression qui permet de dire ce que l'on pense, ou la liberté de culte qui permet de choisir sa religion. Le texte assure le respect de la propriété et la souveraineté de la nation. Le texte dit aussi que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ces droits sont valables pour tous les hommes, ils sont universels. Le texte est directement inspiré des idées des Lumières et de textes anglais et américains. Olympe de Gouges est une femme qui se bat pour que ses droits ne s'appliquent pas qu'aux hommes, mais aussi aux femmes. Les droits de la femme devront encore attendre. Olympe, elle, finira par être guillotinée pour ses critiques de révolutionnaires puissants. Que sont les Lumières ? Les Lumières, c'est un mouvement intellectuel des XVIIe et XVIIIe siècles qui prône la liberté et qui rejette l'absolutisme. On appelle « siècle des Lumières » la période qui va de 1715 à 1789 et durant laquelle des auteurs comme Voltaire ou Rousseau produisent des textes qui remettent en question l'ancienne organisation de la société. L'encyclopédie en 17 volumes rédigée par Diderot et d'Alembert à partir de 1750 contient par exemple des articles qui remettent en cause la monarchie et défendent la liberté. La Déclaration des droits de l'homme met-elle un terme à la Révolution ? Non. Le peuple parisien est même exaspéré par le roi, qui hésite à appliquer les décrets de l'Assemblée, et aussi par la hausse du prix du pain. Le peuple a faim. Les femmes jouent alors un rôle de premier plan. Elles en ont assez et elles vont le faire savoir. L'ambiance devient explosive. Bientôt, une rumeur court. À Versailles, les officiers de la garde du roi auraient foulé aux pieds la cocarde tricolore. C'est le symbole des révolutionnaires, elle porte la couleur de la monarchie, le blanc, entourée par celle de la ville de Paris, le bleu et le rouge. Elle sera à l'origine du drapeau national français. Dans « L'ami du peuple », le journal révolutionnaire de Jean-Paul Marat, un médecin et journaliste né en Suisse à Boudry, dans la principauté de Neuchâtel, on apprend que des centaines de sacs de farine seraient entassés à Versailles alors que le peuple meurt de faim. Le 6 octobre, une foule, femme en tête, exige que Louis XVI quitte Versailles pour Paris. Le roi accepte, lui et sa famille ne reverront jamais le château de Versailles. Les Parisiennes et les Parisiens chantent et dansent autour du carrosse. En attendant, le roi et sa famille seront logés au château des Tuileries, en plein Paris, sous bonne garde. Comment la monarchie cohabite avec la Révolution ? À partir de 1790, la monarchie est constitutionnelle. Le pouvoir exécutif, celui de gouverner, est détenu par le roi et le pouvoir législatif, celui de faire des lois, appartient à l'Assemblée législative élue au suffrage censitaire, ce qui signifie que seuls les citoyens qui payent un certain montant d'impôts ont le droit de vote. La France demeure donc une monarchie, mais le roi ne possède plus un pouvoir absolu. Qu'est-ce que la fête de la Fédération ? Jusqu'à la fin de 1790, le peuple français paraît uni dans sa volonté de réforme, comme en témoigne la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, où l'on célèbre l'unité de la nation, le roi et la population lui prêtent serment de fidélité. La Révolution semble terminée. La fête nationale française du 14 juillet ne fête pas la prise de la Bastille comme on le croit habituellement. Elle commémore la fête de la Fédération. Qu'est-ce que la fuite de Varennes de 1791 ? Les émigrés, ces nobles qui se sont réfugiés aux frontières de la France et souhaitent reprendre leurs anciens droits, sont comme le roi. Ils n'acceptent aucune des mesures prises depuis 1789. Dans la nuit du 20 juin 1791, le roi s'est déguisé en valet pour ne pas être reconnu
il a préparé la fuite de la famille royale du palais des Tuileries où elle était assignée à résidence. Ensemble, ils tentent de fuir Paris pour rejoindre une place forte à la frontière. Leur départ est découvert au petit matin. On envoie des détachements sur toutes les routes pour trouver trace du roi. Le plan imaginé par le roi et ses complices, dont Axel de Fersen, favori de la reine Marie-Antoinette, ne se passe pas comme prévu. Des retards empêchent le roi de rejoindre l'escorte qui devait l'accompagner à la sortie de Paris. Vers 20h, ils arrivent dans une écurie relais pour remplacer leurs chevaux fatigués. Mais le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, est intrigué par cet équipage. Il croit reconnaître Louis XVI d'après son image sur un assignat, l'équivalent du billet de banque de l'époque. Drouet se met à sa poursuite et les retrouve vers Varennes, où les autorités sont alertées et le roi stoppé. Arrêté, le roi et sa famille sont ramenés sous bonne escorte à Paris, où les attendent, dans un silence glacé, une foule obéissant au mot d'ordre, qui applaudira le roi sera battu, qui l'insultera sera pendu. Louis XVI conserve son trône, mais il a perdu la confiance des Français. Sa tentative de fuite montre qu'en réalité, il n'a pas accepté la révolution. En résumé, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée en août 1789. Inspirée par les Lumières, elle annonce une société nouvelle et la fin de l'Ancien Régime. En octobre, une foule rageuse, notamment composée de nombreuses femmes, oblige la famille royale à quitter Versailles pour Paris. La France est désormais une monarchie constitutionnelle où s'applique le suffrage censitaire. Mais en juin 1791, la famille royale tente de fuir, c'est la fuite de Varennes. Reconnus par un certain Drouet, les souverains sont ramenés à Paris, ils ont perdu la confiance des Français et ont fait un premier pas vers la guillotine.